Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Donc je vais vous présenter la photo d'un couple. Un couple, un Français et une Camerounaise qui se sont connus sur les réseaux sociaux. Cette histoire, c'est pour mettre toutes les jeunes filles en garde. Je sais que chacun en Afrique, chaque femme en Afrique, elles veulent tellement avoir un blanc à leur côté que elles ne prennent aucune mesure pour savoir si le blanc avec qui elles se mettent a une bonne moralité. Donc, il s'agit donc d'un Français qui a l'habitude de venir en Afrique et plus spécifiquement au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a à peu près 8 mois, ce monsieur est venu au Cameroun. Il a fait la connaissance d'une jeune fille. Et puis, cette jeune fille, en fait, elle avait fait ses études et elle était dans la région de Bertois. Alors, la photo que vous voyez là, c'est du réel. Alors, la jeune fille, donc, tombe en amour avec ce Français qui va la gâter, qui va l'amener dans tous les grands milieux. Il va même aller lui louer un appartement de luxe, bien équipé. La fille va avoir tout ce qu'elle veut, une belle voiture. Elle va fréquenter des grands milieux grâce à ce monsieur. Donc, ils sortaient ensemble. Et puis, à un moment donné, donc, l'oncle de la jeune fille dit, ben, ça fait longtemps que tu es avec ce monsieur-là. Je voudrais faire sa connaissance. Il faut qu'il vienne toquer la porte parce que ça fait quand même depuis quelques mois, ça semble être sérieux entre vous. Alors, il faut nous le présenter. Alors, la jeune fille va alors informer son copain, hein, qu'elle a connu sur les réseaux sociaux en passant. Et surtout que lui, il lui disait qu'il ne vient pas, il n'avait même pas avoué qu'il venait souvent au Cameroun. Il a plutôt dit que lui, il aime le Cameroun et qu'il vient même pour la première fois. Mais la fille s'est rendue compte même de toute façon, c'est lui qui l'amenait dans des endroits qu'elle ne connaissait même pas. Donc, chaque fois qu'il l'amenait quelque part, c'était comme s'il connaissait déjà le milieu. Alors, la fille lui dit donc que mon oncle veut faire ta connaissance. J'aimerais qu'on trouve un moment pour aller rencontrer ma famille parce que comme ça, c'est la tradition chez nous. Le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il commence à avoir peur. Il trouve des raisons pour ne pas aller. La fille va dire à son oncle parce qu'il sentait déjà que, parce que la fille avait dit à ce blanc-là, à ce Français, que mon oncle, il a vécu en France. Donc, il connaît très bien la culture en France et il a vécu longtemps en France. Alors, le blanc a commencé à avoir peur. Il s'est dit, ben voilà, si du coup qu'il me connaît, alors je préfère vraiment l'éviter. Alors, entre-temps, donc il a tourné comme ça pour ne pas rencontrer l'oncle. Et entre-temps, donc, il va dire à la fille, écoute, tu m'avais dit que tu as un problème de myome utérin. Hein? Donc, je connais une belle clinique ici parce que c'était dans la région de Bertois. Je connais une belle clinique ici où on peut te faire ta chirurgie très bien. Je connais les médecins. Alors, on l'amène dans cette clinique-là pour faire sa chirurgie. Vous allez croire, croyez-moi ou non, la jeune fille ne s'est jamais relevée. Le monsieur était de connivence avec les médecins. Il était de connivence avec le chirurgien qui a fait la chirurgie et avec les infirmières. Il avait payé de l'argent. Donc, on va opérer la fille et on va enlever tous ses organes vitaux, le rein, le foie, le pancréas. Tout, il n'y avait plus rien, même jusqu'à la cage thoracique. Ils ont tout enlevé. Parce que quand, plus tard, on va venir découvrir le corps de la fille, on va voir que le corps, la tête ne tenait plus, ça tombait comme ça. Ce que je vous dis, c'est vraiment du réel, les filles. Faites très attention. Alors, donc, ils ont enlevé tous ces organes-là, et le Français a disparu. Il a disparu. Donc, pendant tout le temps, les 8 mois où il a dépensé, il mettait la fille était dans le jet set et tout, il a récupéré cet argent. Donc, il était venu, il avait une mission. La mission, c'était quoi? C'était de sacrifier, il avait besoin des organes de cette fille-là. La pauvre fille, la famille, tout le monde est présentement abasourdi. Abasourdi. Parce que la famille allait maintenant dans la région de Bertois, parce qu'on l'avait amenée à la clinique à Bomba pour la chirurgie. On vient maintenant à la morgue pour récupérer le corps de la fille. Les gens de la morgue vont donner le corps à la famille et payer même l'argent pour que la famille parte vide. Est-ce que vous avez déjà vu ça en Afrique, au Cameroun? Que la morgue paye, alors que c'est vous qui devez payer pour récupérer votre corps, la morgue a même donné de l'argent à la famille pour qu'ils partent vite. Ils voulaient vite s'en débarrasser parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait. C'est comme ça que le corps va partir. Et ils arrivent maintenant, ils partent avec le corps
C'est là où ils vont te trouver. La famille était même contente que la morgue leur donne l'argent. Ils savaient pas ce qui les attendait dans le cercueil. C'était un corps qui n'avait pas de corps, c'était juste la peau. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Alors, la morale de l'histoire, les filles, c'est que quand vous rencontrez votre blanc, que vous appelez votre blanc, il faut faire une enquête. Faites attention avec qui vous vous mettez. Je comprends que la vie est dure et que chacun veut avoir une vie facile ou bien une vie meilleure, mais sachez que les blancs qui viennent en Afrique, là, ils ont une mission. Ils ont une mission. Faites très, très attention. Partagez cette vidéo-là parce que regardez bien la photo de ce type et partagez parce que vous pouvez le reconnaître. Donc, si vous le voyez dans votre entourage, il faut tout de suite alerter parce que c'est un persona non grata, il faut l'arrêter. Il vient au Cameroun, il vient en Afrique pour accomplir une mission, il vient chercher les organes des femmes. Alors, partagez la vidéo en grand nombre pour que ce monsieur soit arrêté. Ok? Je vais vous dire son nom, ce monsieur-là. Comment il s'appelle, parce que c'est un persona non grata chez nous. Il faut absolument, absolument l'arrêter, ce monsieur du sol. Hein. Lui, ce monsieur du sol, il faut l'arrêter et partager la vidéo en grand nombre. Monsieur Claude Dussol. Claude Dussol, c'est son nom, à moins qu'il change de nom. Claude Dussol, c'est un Français. Alors, partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Il faut vraiment faire attention et avertissez toutes vos filles, vos sœurs, qui sont en Afrique et qui sont à la recherche d'hommes. Faites très attention avec qui vous vous mettez, surtout quand vous les connaissez sur les réseaux sociaux. Vous ne savez même pas d'où ils sortent. Ils viennent avec de l'argent. Vous êtes content. Vous dites que vous avez trouvé votre blanc. Il y a un piège là-dedans. Faites très attention. Alors, mes chères sœurs, ma chère famille en Afrique, faites attention et partagez la vidéo. Ciao.